potes, chers potes, en ce temple de la bonne humeur, nous allons aujourd'hui unir deux de nos poteaux. Ayant la lumière sacrée en moi, et je le prouve, je peux unir Zizipote. Chers Zizipote, consentez-vous à prendre pour compote Zazapote ici présente. Cher Zazapote, consentez-vous à prendre pour compote Zizipote ici présent. Au nom du grand Jack. Jackpot, je vous déclare emporté par les liens de la bonne humeur. J'invite bien sûr les candidats tirés au sort parmi le public que nous appellerons témoins aujourd'hui à rejoindre la sacristie. Accueillons pour célébrer cette union David. David, bonjour. David, sorti tout droit du temple. Accueillons Patricia. Bonjour, Patricia. Heureux d'être parmi nous, Minou. Très bien. Accueillons maintenant Séan Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Pauline. Est-ce que tout va bien, mon poteau? Avec elle. Attention à la marche. Watch your step. Right, très bien. Et enfin, c'est peut-être bientôt une copine, qui sait? Avec les copains, on partage le pain. Avec Séverine, nous partagerons la bonne humeur. Bonjour Séverine. Enchantée. Enchantée aussi. Si vous voulez rejoindre, bien sûr, la sacristie. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour une demi-heure de bonne humeur. Bonjour. David. Dans la vie, vous êtes... Étudiant. Étudiant, en... Sport. Sport. Bien, merci. Patricia, vous êtes venue avec... Mon mari, ma sœur, mon... une amie et un ami. Mon... C'est mon mari, là? Oui. Oh là là, il s'appelle... Laurent. On peut applaudir quand même mon mari, s'il vous plaît, regardez. On n'en voit plus beaucoup de maris comme ça. Il y en avait qu'un, je tombais dessus. Et ça se passe bien, tous les deux? Ça va. Est-ce que vous avez fait plein d'enfants ou pas? Les enfants, oui. Donovan, Kylian et sa fille Jessie. Bien, Donovan, Kylian et Jessie. Merci à tous les deux d'être venus. Arnaud, dans la vie? Professeur de fitness. Fitness à Tutuyutut? Un petit peu. À Tutuyutut, un petit peu? Un petit peu. On va voir après, parce que ici, on est dans le plus grand fitness du monde, ici, et on va tous les faire travailler. Oui, parfait, oui, parfait. Y compris Laurent, ça va lui faire plaisir de faire des steps, le mari de Patricia, à un moment donné. Séverine, vous êtes venue avec qui? Avec ma sœur, ma tante et ma belle-mère. Ah, vous avez une belle-mère déjà? Ouais. D'accord, sympa la belle-mère. Ça va. Elle s'appelle comment? Marilyn. Bonjour et bienvenue à tous, y compris bienvenue à nos petits potes que voici. Tout de suite, mes amis, passons à la première question qui nous dit, sur 100 Français, combien connaissent par cœur la fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard? Bien sûr, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. C'est ça, baryton, hein? Oui, et bonjour, Monsieur le Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Eh bien, écoutez, David, vous nous dites... 58. 58. Vous la connaissez-vous par cœur? Non. Non? D'accord, vous connaissez une fable de La Fontaine par cœur ou pas? Oui, ben celle-ci, avant, oui. Avant? Oui. Quand vous étiez petit? Oui. Bon, Patricia, vous connaissez le corbeau et le renard? Bon, j'ai eu connu, on va dire. J'ai eu connu! Bien, et vous avez répondu? 55. 55. Arnaud, vous connaissez la fable ou pas? Je pense. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenez dans son maître un fromage, 78%. Ah oui, 78, ça fait peut-être un peu chargé. Séverine? Bah moi j'ai mis 19.
19. Et alors, à cette question, nous répondons 37. Et la personne la plus proche est Patricia, qui est la plus proche. Bravo, Patricia. Et qui est le phénix des hôtes de ces bois. Bien sûr. Arnaud, bah dis donc, il y a un roller qui s'en va. À tout le YouTube, il est parti. Bah oui. Non, non, c'est pas... restez, c'est pas... Faut pas pleurer comme ça. Je savais, j'aurais pas dû venir. Mais c'est... Bah attendez, c'est le tirage au sort qui vous a désigné. Oui, je sais, c'est dur. Vous êtes venu avec qui? Avec des amis. Avec des amis. Rien que des amis? D'accord, vous avez pas votre petite amie? Eh non. Moi, je suis ici, je m'amuse, il faut bien qu'elle travaille un petit peu quand même. Ah oui, excusez-moi, d'accord, pardon. Alors, et qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Photographe. Photographe. La deuxième question, écoutez, ça va vous rappeler quelque chose, Arnaud, écoutez. Les petits ours et les nounours, justement, au dernier pointage, combien d'ours vivaient en liberté dans les Pyrénées? Au dernier recensement d'ours, on appelle ça un pointage dans ce jargon. Eh oui, un pointage. Un pointage. Patricia, vous recensez combien d'ours dans les Pyrénées? Je sais plus. 276, je crois. Vous avez marqué combien? 276, je crois. Ah, 276, ah oui. Ah oui, oh là, dans les Pyrénées. Plein. Oh là là. Sur le mont Canigou, il y en a partout. Même j'en ai vu sur l'aiguille du Pic du Midi. Ah, ils n'arrêtaient pas de grimper, de descendre, ils prenaient les téléphériques. À Font-Romeu, ils étaient là en train de se faire bronzer et tout, je me souviens bien. Arnaud? Ben, en ski, j'en ai pas tellement vu, mais par contre, je pense qu'il y en a une petite quarantaine. Petite quarantaine? Oui. Enfin, une grosse quarantaine pour vous, puisque vous avez marqué 42. 42, oui, parce qu'ils sont un petit peu reproduits, là, des certains temps. Puis Arnaud a de l'humour, ça fait plaisir. Séverine, les Pyrénées, vous connaissez? Non. Non, vous avez dit... C'est peut-être pour ça que j'ai dit trop, d'ailleurs. Vous avez dit combien? 125. Oh, et puis il y en a qui font peur, et puis il y a des cheveux qui se dressent sur la tête d'un seul coup. Monsieur, vous avez rencontré un... C'est pas peine de vous retourner comme ça. Mais oui, vous. J'étais en train de regarder la télé quand je vous ai vu. Vous avez croisé un ours, non? Vous avez croisé deux ours? Ouais. Vous avez eu très très peur à un moment donné. Je me suis battu. Vous êtes battu? Mais ça s'est passé comment alors cette rencontre? Pas de cicatrices. Des cicatrices partout? C'est infernal. Et votre voisin en revanche, il a rencontré personne. C'est une histoire de fou. Enfin bon, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que je vous dis? David, vous non plus, vous n'en avez pas rencontré du tout, d'ailleurs. Non, non. Mais alors, du tout, d'ailleurs. Donc, vous avez répondu, en ce qui vous concerne, Séverine, 125. Et vous, David? J'ai dit 15 ans. Ah! Bah, écoutez, apparemment, ça a l'air plus proche de la réponse. Le public a l'air assez d'accord avec vous. La réponse à cette question est... 9, mais oui, David! Mais oui, bravo, David! Alors, Patricia... sous les yeux de votre Laurent à vous, il fait moustache basse, car vous allez perdre un pote avec les 200 et quelques 76... Bon, pas grave. Il vous reste un pote. Ça va. Un super pote. Question suivante. Un chanteur préféré, Patricia, vous? Je dirais, vu le look comme ça, Jenny? C'est vrai? Vous aussi, vous êtes fan de Jenny? Ah, fan de Jenny. Eh ben, ça va. Quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Justement, nous allons parler de musique avec une question assez surprenante. Quel est le plus grand nombre de mots contenus dans le titre d'un album? Le plus grand nombre de mots contenus dans le titre d'un album. C'est un record, évidemment. Question qui s'adresse à Arnaud. Arnaud? Un titre d'album, j'ai dit 14. 14 mots, d'accord, le plus... Une bonne phrase, quoi. Une phrase, d'accord. Séverine? 12. 12. Mm. David? J'ai mis 30. 30. 30 mots. Patricia, vous avez répondu? 18. 18. Et la réponse, alors quel est ce titre d'album, s'il vous plaît, baryton? C'est le titre d'un album de Fiona Apple, sorti en 99. En fait, c'est un poème, le titre, qu'elle a écrit à la suite de mauvaises critiques sur son album précédent. Alors, je ne vais pas vous le citer, parce que déjà, c'est de l'anglais. C'est... D'accord. On n'a pas le droit de parler anglais. Et c'est très long. Combien de mots? 95. Alors ça, c'est quand même épatant. David, vous êtes le plus proche de la réponse, ami étudiant. Bravo.
Désolé pour Séverine avec 12, vous perdez un pote, ce n'est pas grave. Cela va laisser de la place un petit peu pour tout le monde pour cette question coquine. Alors que Johnny, alias Laurent, a le sourire, la question nous dit sur 100 Français, combien ont déjà, en faisant l'amour, eu des crampes ? Combien ont déjà eu des crampes en faisant l'amour ? Sur 100 Français. La question, Séverine, vous est posée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Non. Vous avez jamais eu de crampes ? Non. Non, et votre compagnon a déjà eu une... Non, il n'a pas intérêt. Comment ça, il n'a pas intérêt? Bah. Non, mais ça. Le problème, c'est que ça arrive n'importe quand, ça, les crampes, vous voyez? Il faut bien s'y prendre. Il faut bien s'y prendre. Bah oui. Non, mais sur la crampe, non, mais c'est musculaire, vous voyez? C'est quand un muscle se tend et que d'un seul coup, on ne peut plus rien faire. Oui, je sais bien, mais. Jamais eu de crampe? Non. Bien, bah écoutez, c'est une chance. Vous avez répondu combien au niveau de... Je ne sais plus si j'ai marqué 10 ou 15. 10 ou 15 ont déjà eu une. Vous avez marqué 10. Voilà. D'accord. Donc, vous, jamais de crampe? Non. Eh bien, tant mieux, je ne vous la souhaite pas. Excusez-moi, ça m'est déjà arrivé. Et ça ne fait pas rigoler, Barito, hein? Ah non, mais il suffit de... C'est un manque de magnésium, ça. Une petite barrette de chocolat et tout va bien. Attends, une barrette de chocolat? Le problème, c'est que le chocolat, c'est un excitant. Eh bien, justement. Et après, tu ne peux plus dormir, Barito. Mais qui vous parle de dormir, Jean-Luc? Ben, il faut quand même un peu. David, oui. Vous avez déjà crampé ou pas, vous? Non, je m'étire bien, il faut bien s'étirer. Vous étirez, vous? Pour éviter les crampes. Vous êtes accompagnée? Oui, oui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Julie. Et elle est jolie? Très jolie. On dit jolie Julie? Exactement. Bien. Et est-ce qu'elle a déjà crampé, elle? Non plus, non. Pas de crampes chez Julie? Non, non, non. D'accord. Elle mange beaucoup de chocolat? Ouais, elle fait des cures de magnésium. Ah, elle fait des petites cures. David, vous avez répondu combien? 35. 35 ont déjà attrapé une crampe? D'accord. Vous, non. Vous, Patricia, est-ce que vous avez déjà attrapé une crampe? Non, je pense pas. Pas dans mes souvenirs. Pas dans vos souvenirs? Parce que ça fait mal, hein, quand même. Hein, ça fait mal. Patricia, vous avez répondu? 31, je crois. 31, d'accord. 31 ont déjà attrapé une crampe. Et alors, donc, vous qui êtes prof de fitness, certes. Quand on a une crampe, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous. Il faut tout de suite étirer. Le plus rapidement possible. Il faut tout de suite étirer. Hein. Oui. Je tiens à préciser, c'est étirer. Il y a un petit « et » avant le... Un petit « d'accord ». Étirer, c'est-à-dire? Et puis après, on fait ce qu'on veut. D'accord. Donc, on étire de quel sens? Dans le sens opposé à la contraction. C'est-à-dire que si le biceps a une crampe, il va automatiquement se rétracter. Nous, il faut l'allonger. Ah, d'accord. Et une fois qu'on a réussi à l'allonger... Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Par contre, il ne faut pas rebouger parce qu'autrement, ça revient tout de suite. Ah, si vous rebougez et... Hop, oh, ça revient. Ça y est, c'est... Je suis en plein effort et poum, j'ai... Des fois, c'est pratique aussi, mais bon, ça dépend de quoi on parle. Bien sûr. Et Alors, Arnaud, vous avez répondu 23%, il me semble. 23%. Et la réponse à cette question est de... 36. Eh bien, bravo, David, ami étudiant. Vous êtes étudiant, hein? En sport. En sport, ouais. Ah, ben peut-être, ben, finalement, ça le fait. Excellent. Séverine, malheureusement, la crampe... Ah ben, il vous reste plus qu'un pote, et malheureusement, la crampe vous est fatale. Nous allons quand même vous offrir un joli cadeau, un poste radio écologique et solaire. C'est pour vous faire plaisir. Merci à vous d'être venus. Nu au soleil, pour vous donner la pêche sans besoin de recharger les batteries, voici une radio qui marche à l'écologie et au soleil. Merci beaucoup, au revoir, à très bientôt, au revoir. Sans plus attendre, eh bien, il paraît qu'effectivement, il nous reste une blonde, Patricia, au milieu de deux charmants hommes. Mais sachez que même si vous êtes blonde, eh bien, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Les brunes ne comptent pas pour des prunes. Ah bah, attendez. Depuis 1970, combien y eut-il de Miss France brunes? Combien de Miss France brunes depuis 1970? Vous avez répondu combien, David? 15. 15, bien. Patricia, vous avez répondu? 8. 8.
Ok. Arnaud, depuis 1970, à votre avis? À peu près 30 élections, on va dire. Blonde, châtain, ça compte pas, donc j'ai mis 23. Vous avez marqué 23. C'est un petit peu beaucoup, mais dans la question, je me suis trompé. En fait, j'avais compris combien n'étaient pas blondes, parce que blonde, bon, bref. C'est un petit peu compliqué, mais... Allez-y, Arnaud, attendez, nous sommes en débat ouvert, alors attendez, Arnaud, n'hésitez pas à vous exprimer. J'ai posé, regarde, mes équations, je les ai posées ici, en fait, j'ai éliminé les blondes. Vous avez éliminé les blondes? Oui, parce que c'était pas la question. C'était pas la question. Ensuite, j'ai jeté les rousses, mais j'adore les rousses. Vous avez jeté les rousses, il faut jamais jeter une rousse. Oui, je sais, j'y ai pensé après. Ah là là, vous imaginez pas. J'y ai pensé après, tout à fait. Ah, jeter une rousse, c'est fou, et alors? Et ensuite, après, il me restait châtain. Oui. Mais où se fait la distinction entre châtain clair, châtain foncé, brune? Et là, j'ai eu un doute, j'ai fait 20, et j'ai ripé sur le 3, 23. Vous avez ripé sur le toit. Ah oui, 23. Et ouais, et alors vous êtes mis sur le toit. Voilà. Et puis vous avez 23. Et c'était parti, voilà. Et c'était parti. Et la réponse est... Aucune idée. 23, vous êtes en tout pire. Oh là là, il est heureux. Oh, il est heureux, il est heureux. Oh, regardez, il fait du step. Mais bravo Arnaud, mais quel talent, mais quel bonheur alors. Mais c'est fantastique. Alors, vous le savez, grâce à la complicité de TéléZ, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation ou papier libre. Alors, celui-ci est... Celle-ci est Josette Violande de Vannes, dans le Morbihan. Dans le Morbihan, de Vannes. Josette de Vannes. Nous lui téléphonons. Et on surprend Josette quand même. Allô? Josette? Oui. Excusez-moi de vous déranger. Josette, c'est Jean-Luc Reichmann sur TF1. Bon, c'est une blague. enfin, bon, Josette, vous êtes sur Attention à la marche et je le prouve devant le public, Josette. Josette, je vous présente Arnaud, prof de step. Appelez-moi Nono. Grâce à Arnaud, Josette, eh bien, vous êtes en tout pile. Donc, il y a donc deux enveloppes, une orange et une jaune. Un petit cadeau qui est une lampe disco qui est très, très, très rigolo. Et dans le beau cadeau qui est un super baladeur MP3. Et c'est un beau cadeau. Soit la lampe pour faire disco, soit le baladeur MP3. Josette, jaune ou orange avec l'ami Arnaud? Alors... J'entends le public. Jaune. Jaune, ça vous va, jaune? Tout à fait. Arnaud est d'accord avec la jaune. Petit cadeau ou beau cadeau, Josette. Il y a le beau cadeau, Josette. Ah, super. Super baladeur MP3. Super. Pour télécharger vos morceaux préférés et écouter votre compil maison en toute sérénité, à vous ce super baladeur MP3. Alors Josette, vous, le programme de cet après-midi, qu'est-ce que vous faites de beau? Super, eh bien écoutez, pas grand-chose pour le moment. Tranquille. Je vais aller, je crois, promener mon chien. Bien. Voilà. Il s'appelle comment le chien? Sandy, c'est une petite chienne boxer. Bien. Voilà. Eh bien écoutez, on vous souhaite un bon après-midi, Josette. Eh bien je vous remercie. Oh, Josette! Josette! Oui. Ah oui, vous avez appuyé sur une mauvaise touche, Josette. Ah. Non, mais tout va bien, Josette, on vous entend. On vous souhaite un bon après-midi, Josette. Eh bien, merci, pareillement. Au revoir, Josette. Et merci, Arnaud, encore. Merci, Arnaud. Vous voyez, elle est gentille, Josette. C'est une super Josette. Toutes les Josettes sont gentilles. Ah ben, voilà. Je dois vous avouer que ma mère s'appelle Josette, et c'est vrai que toutes les Josettes sont gentilles. On dirait. Elle a fait un beau-fils, en tout cas. Un beau-fils? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas. J'ai une idée comme alors, ça. Alors, passons. La plus éloignée, malheureusement, était Patricia, avec 8... Merci Patricia de votre sourire. Et juste avec votre Laurent, nous allons vous offrir un moment romantique. C'est un super dîner sur un bateau parisien au fil de l'eau sur la Seine. Merci. Merci à vous. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Merci Patricia, à très bientôt, au revoir Laurent, merci Laurent, salut, ciao. Et nous accueillons les deux garçons qui se sont débarrassés comme ça volagement des deux filles, David d'un côté et Arnaud de l'autre. Arnaud, prof de step. Tout à fait. Et vous, David, étudiant en sport. Voilà. Vous êtes en quelle année?
Là, je suis en maîtrise. Mais vous maîtrisez le sport? J'espère. Alors, vous maîtrisez le step, Arnaud? J'essaye. D'accord, ça fait combien de temps que vous êtes prof de step? À peu près une dizaine d'années. 10 ans quand même de... Eh ben, vous les faites pas du tout, tiens. Je sais. Bien, de la bonne humeur ce matin. Vous conduisez, Arnaud? Un petit peu. Un petit peu, quand vous êtes perdu, vous demandez votre chemin? Au flair. Au nez? Et bien sûr, cent hommes, combien refusent catégoriquement de demander leur chemin lorsqu'ils sont perdus? Arnaud, c'est à vous de commencer, justement. Donc vous, vous faites tout au nez? Je dirais... 34. 34 refusent catégoriquement de demander leur chemin. David, c'est le jeu du plus ou du moins? Oui. Je vais dire plus. Vous diriez plus de 34 refusent catégoriquement de demander leur chemin lorsqu'ils sont perdus. Vous demandez le chemin, vous Ouais. Oui. D'accord. Et vous mettez plus quand même? Ouais. J'aime pas chercher, c'est pour ça. Ah, vous avez... Mais vous trouvez, vous? Ouais, parce que je demande mon chemin. Et la réponse est... Moins c'est 13. C'est Arnaud qui marque son pote supérieur. La prochaine question nous dit: combien y a-t-il de points de couture sur une balle officielle de baseball? Ah, ça c'est dur, ça. Ouh, que c'est dur, David. Combien de couture? Des points de... Des points de couture. Oui, oui, des points de couture. Je dirais... 80. 80. 80 points de couture. 80 points de couture. Arnaud, vous voyez la balle de baseball? Oui, qui est très jolie d'ailleurs, mais je dirais complètement au hasard, un petit peu plus. Complètement au hasard, un petit peu plus. Eh bien, complètement au hasard, fait-il bien les choses? Mais oui, c'est 108, Arnaud! Mais oui! Alors, c'est du hasard, mais le hasard fait bien les choses, bravo! Jean-Luc Arnaud me fait penser un petit peu à cet acteur dans Terminator 2, vous savez, le deuxième, le T-1000, le robot... liquide, là, qui change, qui devient liquide. Qui devient... Ah bon, d'accord. Arnaud Bariton est en train de vous traiter de liquide. D'accord. Et est-ce qu'il est grand dans Terminator, le... Oui, oui, il est grand et fort, comme Arnaud, oui. Ah, oui. Non, Arnaud. Mais c'est pourri, Arnaud, hein. Attendez, il n'y a pas de problème. Mais je vois effectivement ce point de ressemblance. Robert Patrick, on me dit qu'il s'appelle, cet acteur. Bien. Sans plus attendre, vous, Arnaud, question dessous féminin, qu'est-ce que vous aimez bien? Classique. Classique? La couleur, la forme, vous demandez quoi? Non, je demande, je sais pas, si vous préférez si vous préférez haut... J'aime tout, mais là, vous allez m'énerver. David, quel genre de dessous féminin aimez-vous? Classique, string et soutien-gorge. Quoi, classique? Dans le sexy, je veux dire. Non, mais classique, string et soutien-gorge, c'est bien. Classique. Dans le sexy. Non, mais c'est important. Classique, gaine et mule. Je comprends, David. La question nous dit: sur 100 femmes, combien n'ont jamais mis de porte-jartelle? Jamais mis de porte-jartelle, Arnaud? C'est quand même assez cher, je pense. Donc, je dirais... 45. Je dirais 69. Réponse érotique. 69. 69 n'ont jamais mis de porte-jartelle. Merci, Arnaud, de cette réponse. Fort significative, Arnaud. Merci. Certes. David, vous avez répondu? Moins. Moins de 69, d'accord. La réponse est 37, c'est moins. Bravo Arnaud qui marque l'arrivée de son pote, le pote point la tête. Et maintenant, petite musique qui va faire plaisir à ma maman. Et à mon papa, car mon papa, cela marque bien sûr le début de sa sieste. Depuis combien d'années existe la série Les Feux de l'amour? David. 30,
35 ans. 35 ans, très bien. Arnaud, la question du plus ou du moins, vous répondriez... Je dirais moins. La réponse est 29, c'est moins. Arnaud, un peu de chose. David, effectivement, désolé, mais vous repartez quand même avec un super cadeau. Et bonne chance pour vos études. Et c'était très sympathique de vous avoir parmi nous. Mais vraiment, hein, vraiment, merci de votre sourire, c'était très sympa. À la prochaine et bravo. Pour éviter de se brûler les mains et se faire sauter la baguette du matin, il est en inox ce superbe grip. Ah, il est bon. Ah, c'est un bon grip, hein. Et nous recevons l'ami du step au pied de l'escalier. Bienvenue à Arnaud. Arnaud, vous êtes venu avec des amis? Oui. Comment ça s'est passé votre venue? Avec trois amis. Eh bien, ils se sont inscrits par téléphone, il me semble, et puis ils m'ont dit, est-ce que tu voudrais venir avec nous? J'ai dit oui, et me revoici ici. Ah, et c'est vous qui avez été sélectionné, et ce sont eux qui se sont inscrits? C'est bien fait. Et c'est bien fait. Et ils s'appellent comment, les amis, alors? Alors, il y a, dans l'ordre, Laurence, Will et Christina. Donc, on monte sur le premier step avec 250 euros que nous vous offrons. Right. Les voici, right. And welcome on for this first step now! Ah ouais, vous le faites bien quand même, hein? Vous connaissez cette musique? Certes. C'est la musique de... Ça m'inspire Jurassic Park. Jurassic Park, justement. Peut-être. C'est sûr. On va parler des dinos. Vous connaissez les dinos? Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais oui. Le plus petit des dinosaures. Mesurez combien? 30 cm ou 60 cm de long? Prenez votre temps. Le plus petit des dinosaures mesurait 30 cm ou 60 cm de long? C'était le tout petit Rex. Mais alors dans la famille, il y en avait deux. Il y en avait un de 30 et un de 60. Je dirais que le nain faisait 30 cm, me semble. C'est le tout petit Rex? Oui, nain. Le Rex nain? Oui. Bien. Bariton, c'était le T-Rex? C'était pas le T-Rex. Ah! Déjà, c'était pas le T-Rex. C'était le Compsognathus, qui signifie jolie mâchoire. Je l'avais là. Jolie mâchoire? Oui. Oh, 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 jolie mâchoire. Et il mesurait? 60 cm. Ah! Oh, c'est pas vrai! Mais si, c'est vrai! Ah, non! Si! Mais vous gardez quand même vos 250 euros. Bon, ça va. Bon, ça va. Allez, on les garde. On les garde, ils sont là. Et nous montons bien sûr sur la marche suivante pour... voyons, mettez-vous là pour voir, juste là. C'est vachement mieux quand vous êtes en bas, en fait. Non, mais vous dites... Non, parce que là, tout de suite, c'est moins sympa, là. Ah, mais non, mais non, mais c'est parce que... Regardez. Allez-y, mettez-vous là et montez les... comme vous venez de le faire, jusqu'en haut et redescendez. Allez-y, pieds joints. Jusqu'où? Jusqu'en haut, allez-y. Attendez, attention. Toi. Pas mal, quand même. Tout de même, prendre deux steps, sympa. Allez, on monte sur la deuxième marche. C'est un million de Chinois. Et moi. Une veste Mao comporte combien de poches extérieures? La veste Mao comporte deux poches ou quatre poches extérieures. Pour l'instant, on ne regarde pas ses amis. On leur posera la question tout à l'heure. Je suis en quête d'inspiration. Restez de ce côté-ci, s'il vous plaît. Après, on a le droit de demander sur la dernière marche. D'accord. À tout le monde. Là, pour l'instant, pour ne défavoriser personne, vous êtes seul. Deux. Nous validons deux. Ces poches bariton, on en parle tout de suite ou... Après la pub. Ah ! Bien. Nous revenons. La question posée à notre ami Arnaud aujourd'hui était la suivante. Une veste Mao comporte combien de poches extérieures? Vous avez répondu, Arnaud? Deux poches. Et la réponse à cette question est...
Quatre poches. Aïe, 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 aïe. Je voulais dire deux paires de poches. Deux paires de poches. Oui. Ah oui, eh oui, eh oui, alors là, ça... Deux en haut et deux en bas, c'est voilà, ça, voilà, deux sur la poitrine, deux en bas, qui symbolisent des vertus, la politesse, la fidélité, l'honnêteté et la pudeur. Vertu cardinale. Excellent, ça, chaque poche symbolise une vertu. Eh oui. J'en apprends tous les jours avec vous, Bariton. Merci de cette grosse culture. Merci. Bon, on reste sur nos 250 euros, bien sûr. Et nous montons, si vous êtes prêts à faire un petit peu de sport. Un petit peu... Attendez, échauffez-vous. Attention à la régie, élargissez un petit peu. Vous êtes prêts à monter sur la marche suivante. C'est un prof de step. Non, de step, de fitness, c'est ça? Attention, regardez comme un prof de step monte. 1, 2, 3. Excellent. La question nous dit, en compète de ping-pong, en compétition, combien faut-il de points pour gagner un set, soit 11 points en compète ou 21 points en compète? C'est la question. Eh bien, mon père est arbitre de ping-pong, justement, le tennis de table. C'est pas vrai? Si. Et il y a justement, le règlement a été changé, maintenant c'est 11 points. Ah, donc, ah, dis donc, vous avez du bol quand même, là, hein? Là, j'ai du bol. Là, j'ai du bol? Parce que si c'est 21, on est mal, hein, quand même, hein? Bah, si c'est 21, c'est que soit vous êtes pas à la page, soit vous m'avez des conneries. Et ça va chauffer à la maison. Et la réponse est... La bonne réponse, mais oui, comme quoi tout le monde est à la page. Et oui, il y avait quand même un piège, parce que normalement, c'est quand on joue à la maison, c'est toujours en 21. Mais en compétition, ce sont bien 11 points, bariton, qui sont... Tout à fait, tout à fait. Et ce, depuis août 2001 en France. Eh oui, donc effectivement, vous êtes bien à la page. Excellent. Eh bien donc, nous multiplions vos 250 euros par deux, ce qui fait 500 euros. Excellent, tout va bien, je vais bien. Nous montons sur la dernière marche ensemble. Pour multiplier vos gains par 5, nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire, Télézade, qui propose les 80 des chaînes, du câble et du satellite. C'est énorme. Parfait. C'est fantastique. Et maintenant... Nous ouvrons la porte, et ce, tout de même, pour 2500 euros. Belle somme. Parfait. Pour 2500 euros, la question aujourd'hui est la suivante. Est la suivante. Est la suivante. Vente, vente. En quelle année? 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 Nostradamus! Nostradamus! Publia-t-il ses prophéties? Ses prophéties? En quelle année Nostradamus publia-t-il ses prophéties? Ses prophéties! Ses prophéties! 2500 euros derrière! 1255, première date. 2500 euros peut-être derrière. 1355, deuxième date. Dans le datier aujourd'hui, nous avons 2500 euros peut-être derrière. 1455. Ou encore derrière. 1555. Mais j'ai une petite cérémonie avant de choisir, ça c'est... Oui. Plouf, plouf. 1455. 1455, c'est la première réponse. Voilà. D'accord. Le public maintenant aide notre ami, bien sûr, Arnaud, avec leur télécommande. Ils votent sur le 1 s'ils sont d'accord, sur le 2 s'ils ne le sont point. Et même si vous avez le pouce handicapé, vous pouvez jouer. 56% du public n'est point d'accord. Et le public est au un point. 56 n'est pas d'accord. Oui. Mais en fait, dans le public, je connais surtout trois personnes. Est-ce que vous vouliez leur demander leur avis? Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. J'ai un peu demandé. Vous avez un peu demandé. Et en fait, comme c'est des amis que je tiens à les garder, je vais suivre leur idée. Oui. Et leur idée est 1255. Leur idée est 1255, donc vous allez changer... En 1255. Et si jamais c'est 1455, je pense que je vais être fâché avec trois personnes. Bien sûr, qui font partie actuellement du public. Voilà.
des amis proches. Eh bien, nous validons définitivement donc 1255, puisque oui. vos amis en ont décidé ainsi. Tout à fait. Vous êtes sûr, hein? Ah, c'est les filles! Ah, regardez-le comme il est. Quel choix de date dans le datier décidez-vous d'ouvrir? On va déjà enlever la 1555, il y a trop de 5 là-dedans. Il y a trop de 5 dans 1555, ouais. donc il n'y a pas 2500 euros derrière 1555. C'est sûr. L'année où Nostradamus publia ses prophéties, 1555, y a-t-il 2500 euros? Est-ce la bonne année? La réponse est... Ah! Eh oui, Oh non, c'est pas mais c'est, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On peut quand même applaudir parce que énormément de sympathie et d'humour aujourd'hui à la télé. Merci de votre sympathie, Arnaud, c'était très cool. Vraiment, on s'est amusé. Tous les profs de fitness de Steph viennent le rejoindre. Merci de cette super émission. À très bientôt, c'est-à-dire demain. On peut faire un toutou YouTube là sur le générique. Allez-y, 3, 4, toutou YouTube. Allons-y.